Petite présentation donc de Solidatech. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes un programme de solidarité numérique dont le but est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. Nous sommes nés en 2008 de la rencontre entre les ateliers du Bocage et TechSoup. Donc, les ateliers du Bocage, c'est une coopérative d'insertion membre du mouvement Emmaüs, qui sont donc cœur de métier et tout ce qui concerne la collecte et le réemploi d'équipements informatiques, de smartphones et également de cartoucheries. Et donc TechSoup, notre partenaire fondateur, c'est en l'occurrence une ONG américaine. C'est un réseau international en fait de solidarité numérique dont le but est le même que le nôtre. Quelques mots sur nos bénéficiaires, qui sont très largement donc, des associations de loi 1901. On retrouve également d'autres types de statuts, tels que des fondations RUP ou encore des fonds de dotation. Quelques chiffres maintenant pour vous donner une idée de notre action. Depuis 2008, Solidatech, c'est plus de 35 000 associations qui se sont inscrites gratuitement et à qui on a pu distribuer près de 540 000 outils à tarifs solidaires, ce qui représente une économie pour le secteur associatif d'environ presque 200 millions d'euros par rapport à la valeur marchande de ces mêmes biens et services sur le marché classique. Que faisons-nous donc concrètement pour aider les associations dans le numérique? Alors pour ça, on va rester assez concis aujourd'hui et vraiment je vais vous présenter nos deux modes d'action principaux que sont l'outillage et l'accompagnement. Alors, dans l'outillage, on va trouver deux choses. Premièrement, celle peut-être par laquelle vous nous connaissez peut-être le plus si vous connaissez déjà un peu Solidatech, ça va être tout notre catalogue de solutions, de logiciels à tarifs solidaires. Donc, on trouve tout un éventail qui essaye de couvrir le plus largement possible les besoins des associations. Donc, on va trouver des outils de comptabilité, de création graphique, de collaboratif. Enfin, voilà, on essaye de vraiment couvrir un large panel pour vous proposer des solutions qui vous aident. Ces partenariats sont généralement obtenus par le biais de TechSoup, dont je vous parlais un petit peu plus tôt, donc qui sont des partenariats avec des éditeurs, on va dire, à dimension internationale, comme Adobe, Microsoft ou encore Google. Mais à côté de ça, on développe aussi des partenariats un peu plus en local, avec des solutions françaises, telles que Nuage, Insia ou encore AssoConnect, que vous connaissez peut-être. Dans cette partie outillage, on trouve également de l'équipement informatique avec notre catalogue de matériel reconditionné, essentiellement du matériel reconditionné par les ateliers du Bocage, dont je vous parlais un petit peu plus tôt, et une petite partie aussi de matériel neuf grâce à nos partenaires Cisco et Dell, et qui est également disponible à tarif solidaire. Et je vous précise également pour le matériel des ateliers du Bocage, n'hésitez pas à aller dans notre page contact si vous ne trouvez pas en gros votre bonheur, puisque toutes les références ne sont pas forcément sur le site. Donc n'hésitez pas à faire des demandes de devis à l'adresse matériel@solidatech.fr que vous retrouvez donc sur l'onglet contact de notre site. Et enfin, donc, dernière slide pour ma part, qu'est-ce qu'on vous propose en termes d'accompagnement? Voici un peu un petit panel de l'accompagnement qu'on peut vous proposer. Tout d'abord, on a un centre de ressources qui est disponible sur notre site internet. Vous allez trouver tout un tas de conseils, de tutoriels, de partage de témoignages de retours d'associations. Vous allez aussi trouver des comparatifs d'outils. Également, vous allez retrouver les résultats des études de référence sur le secteur associatif et numérique auquel on participe. Vous trouverez également à votre disposition un outil d'autodiagnostic qui va vous permettre en fait de pouvoir facilement, de manière interactive, mesurer votre maturité numérique et voir un petit peu quelles actions vous pouvez mener. Vous trouverez également un catalogue de formations. Je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'on propose, des formations sur mesure.
Et puis à côté de cela, vous avez aussi, on reçoit également, on vous envoie régulièrement des newsletters avec pas mal de bons plans numériques. Et également, on anime régulièrement des webinaires comme celui-ci, soit sur des thématiques assez générales, mais également aussi des thématiques un peu plus liées avec les solutions que nous avons à notre catalogue. Et enfin, et pas des moindres, nous avons aussi notre support téléphonique et mail où voilà, toute notre équipe support vous répond à vos questions individuelles par mail et par téléphone. Et enfin, avant de repasser la main à Lorraine, je vous reprécise pour ceux qui n'étaient pas là au début que ce webinaire est enregistré et le replay va être disponible d'ici 2 jours sur notre centre de ressources avec la présentation que Lorraine va utiliser aujourd'hui. Voilà, je te passe la main, Lorraine, et on se retrouve pour les questions tout à l'heure. Merci beaucoup, Elodie, pour cette présentation. Est-ce que vous voyez bien mon écran en grand? Oui. Eh bien, c'est parfait. Je Du le vois bien, en coup, tout cas. il n'y a plus qu'à. On va espérer que ce soit la même pour tout le monde et on va démarrer. Du coup, un rapide aperçu du programme du jour là pour, on va dire, la grosse demi-heure avant de passer aux questions-réponses, 35 minutes peut-être, sur en gros, deux parties principales à ce webinaire sur les bonnes pratiques. D'une part, pour envoyer vos newsletters et sur des exemples d'outils concrètement sur la deuxième partie, grosso modo. Quelques mots quand même en introduction avant sur le sujet des newsletters. Vous avez, pour information, à peu près un tiers des associations qui envoient déjà des newsletters. Et il y en a en fait tout autant qui projettent de le faire, comme c'est probablement, j'imagine, votre cas aujourd'hui. Voilà, le fin mot de l'histoire, c'est que vous n'êtes pas les seuls à vous pencher sur le sujet et que c'est vraiment un moyen de communication qui est plébiscité et qui est approprié pour le secteur associatif. Ce sont des chiffres, pour info, qui sont issus de notre précédente étude, La place du numérique dans le projet associatif. Et si c'est une étude qu'on fait tous les 3 ans avec Recherche et Solidarité, et si vous voulez participer à l'étude actuelle, vous avez encore une semaine pour y répondre et dans tous les cas, ce sera l'occasion qu'on vous repartage en octobre prochain des résultats un petit peu plus actualisés, même si grosso modo, je pense qu'on peut encore s'y fier. Autre élément introductif, c'est de bien avoir, avant de se lancer, on va dire, dans ce beau projet de mettre en place une newsletter, de se demander tout simplement, en fait, dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de le faire? Ça serait pour répondre à quels objectifs? Parce qu'il ne faut pas le faire parce que, bah, comme je vous le disais, il y a un tiers des assos qui le font, donc oh, bah, c'est que ça doit bien être utile. Ça dépend, ce n'est pas le cas forcément pour tout le monde. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de se demander pourquoi envoyer une newsletter. Il peut y avoir plein de raisons différentes qui sont bien évidemment compatibles entre elles. Je vous en cite là quelques-unes à titre d'exemple. Donc, ça va de relayer les nouveaux articles que vous créez sur votre site Internet et puis du coup pour y faire du trafic, de lancer une campagne de dons, de convier à des événements, de mobiliser vos bénévoles, etc., etc. Il peut y avoir plein d'objectifs. Le tout, c'est d'en avoir et de considérer que la newsletter peut être un moyen efficace pour y répondre. Soit dit en passant, ça peut concerner diverses cibles. Hein, donc, on peut aussi bien souhaiter envoyer une newsletter à ses adhérents ou bénéficiaires, comme à ses salariés dans le cadre d'une association un peu plus grande, à ses bénévoles, à ses donateurs, etc. Une fois que vous êtes bel et bien convaincu que la newsletter, c'est un canal de communication qui est approprié pour votre asso, il y a pas mal de bonnes pratiques à avoir en tête et déjà de faire les choses dans l'ordre. Alors, je ne vais pas finalement vous parler tout de suite de newsletter. On va déjà commencer par un peu le nerf de la guerre. Alors, pour une fois, ce n'est pas forcément l'argent, c'est plutôt la base de données. Ça va vraiment être important pour qu'après, vous soyez à l'aise dans les manipulations que vous allez faire sur votre outil de mailing et que ce soit efficace et que ce soit rapide, il faut en amont avoir passé probablement un petit peu de temps, soyons honnêtes, sur votre base de données pour qu'elle soit propre et au clair. On peut retenir pour ce point-là 4 étapes, qui est tout d'abord de désigner la responsabilité
de ce projet-là, de mettre au propre et au clair la base de données à quelqu'un qui va être en charge, voilà, de la mettre à jour, de la sauvegarder, etc. Aussi bien à l'instant T pour tout rendre, tout mettre au propre, que par la suite pour l'entretenir au fur et à mesure des mois. Après, la question va se poser de quelles informations vous avez besoin de stocker dans votre base de données et pourquoi faire, sachant qu'on peut tout à fait envisager qu'il y ait des champs obligatoires et d'autres facultatifs, mais c'est, les deux questions vont vraiment de pair, parce que stocker dans son outil de mailing des informations diverses et variées qui parfois peuvent être un peu périlleuses à mettre à jour, etc., pour finalement n'en avoir jamais l'usage, parce que dans tous les cas, vous n'avez pas la bande passante pour envoyer beaucoup de communications et vous ciblez finalement très peu, c'est peut-être pas le plus pertinent. Donc vraiment, voilà, quel type d'infos vous souhaitez retenir dans votre base de données et pourquoi faire, avant de ensuite bien uniformiser ces données-là. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'il faut que tous les champs d'une même colonne soient sur le même modèle. Donc, par exemple, si on parle d'un montant de dons, par exemple, il ne faudrait pas qu'une fois vous ayez écrit en toutes lettres 500 euros, l'autre fois 124,12 euros, etc. Il faut vraiment que tout soit sur le même modèle pour que les données soient exploitables par la suite. Et si possible, et je dis bien si possible parce que je sais très bien que ce n'est pas toujours le cas de manière simple et aussi financière, pour le coup, on y vient finalement assez vite. Éviter les tableurs du type Excel, Google Sheet, etc., enfin, qu'importe, mais les tableurs, quels qu'ils soient, qui peuvent vite devenir périlleux à mettre à jour, à exploiter proprement, etc. On commence généralement par ça, on est bien d'accord, mais quand après on goûte à d'autres solutions qui sont plus dédiées au sujet, en général, on se retire une belle épine du pied. Donc, il existe... Ouais. Juste, je t'interromps juste deux secondes peut-être, parce que j'ai une question de Léa qui se demande en fait... De quoi tu parles exactement en tant que base de données. Je pense que si tu peux vraiment bien revenir sur peut-être le principe vraiment de qu'est-ce qu'une base de données. Ça marche. Pour que ça soit... Du coup, dans le cadre de ce dont je vous parle ici, la base de données, c'est vraiment, on va dire, la liste de vos contacts, des contacts de l'association avec différentes caractéristiques. Donc, ça peut être, par exemple, dans une même base de données, vous pouvez très bien regrouper vos donateurs et vos bénévoles, par exemple. Mais encore faut-il savoir qui est qui. Donc, ça veut dire que si vous avez... Et l'un peut être... Enfin, une même personne peut être les deux. Donc, ça veut dire que, par exemple, si on a Michel et Georges dans votre base de données, on peut avoir Michel... un champ qui précise qu'il est donateur, un champ qui précise quelle est son adresse mail, un champ qui précise quelle est sa région. Enfin, après, c'est justement le sujet, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes informations intéressantes à sélectionner, mais c'est vraiment le fait de regrouper les contacts qui interagissent avec votre association d'une manière ou d'une autre, et puisque là, c'est notre sujet du jour, les mailings, sous-entendu avec lesquels vous souhaiteriez potentiellement communiquer par mailing, puisqu'en fait, c'est cette base de données-là que vous allez ensuite, dans un second temps, vous me voyez venir, importer dans votre outil de mailing. Donc, une fois que vous avez cette base de données-là, je vous conseille de basculer sur une solution dédiée à la gestion de ces bases de données. Je vous mets quelques exemples là. L'idée, c'est de toute façon, une fois de plus, vous aurez la présentation à disposition, c'est que vous allez regarder ce qui vous convient, ce qui peut être efficace pour vous. Mais à titre d'exemple, je vous cite Airtable et HubSpot CRM en solution gratuite et AssoConnect en solution à tarif solidaire avec Solidatech. Quelques conseils ensuite en matière de rédaction. L'idée, c'est essentiellement de se créer une trame simple de mailing. On parle souvent aussi de template, pour si jamais ça parle à certains. Sinon, ce n'est pas grave. C'est vraiment l'idée que ce soit un modèle qu'on reprend, dont on repart systématiquement pour gagner du temps. Et dans ce modèle-là, il faut que vous preniez bien en compte l'identité graphique de votre association, donc en termes de couleurs et de logos à minima.
Ça va vous faire gagner du temps pour la suite, c'est-à-dire que dans votre outil de mailing, vous mettez du temps, et j'en connais une autour de cette table qui sait de quoi je parle, vous mettez du temps à créer le modèle qui vous convient, mais par contre, après, c'est beaucoup de temps de gagner, puisque vous n'aurez qu'à dupliquer cette trame et juste compléter le texte et rajouter une image si je simplifie. L'idée, c'est aussi de faire des phrases courtes, claires et concises. En fait, il y a pas mal finalement de conseils qui sont aussi en général valables pour la rédaction sur le web au sens large. Très important de terminer chaque sujet par ce qu'on appelle un call to action. Donc, en gros, c'est l'idée de se dire, si j'envoie un mail, c'est que d'une manière ou d'une autre, j'attends des gens à qui je m'adresse qu'ils fassent quelque chose à l'issue de mon mail. Ce n'est jamais du purement, purement informatif à l'image, à l'échelle du mail. Ça peut être informatif quand même, mais ce que je veux dire par là, c'est que on attend que les gens cliquent. En gros, si vous envoyez un mail, votre espoir et votre but, c'est que les gens interagissent avec ce mail et cliquent. Et pourquoi est-ce qu'ils cliqueraient? Là, c'est là où ça peut être extrêmement varié, où ça dépend des objectifs que vous avez définis en amont. Vous vous souvenez, en intro, ça peut être parce que vous souhaitez leur faire lire un article sur votre site web, parce que vous souhaitez leur faire faire un don, parce que vous souhaitez qu'ils s'inscrivent à un événement, qu'ils se portent volontaires pour prêter main forte sur telle ou telle action. Qu'importe, ça peut être plein de choses, et ça peut varier d'une fois sur l'autre, mais dans tous les cas, votre mail, il doit être quelque part avec un bouton cliquable et que vous espériez que les gens interagissent avec celui-ci. Après, quelques conseils également en termes de rédaction sur l'objet, puisque c'est assez important, c'est vraiment l'objet, c'est on va dire le titre de votre newsletter, mais pas le titre une fois qu'on a ouvert. Vous savez, le titre avant même qu'en fait la personne clique ou non pour ouvrir votre message, c'est vraiment ce qui apparaît dans sa boîte de réception. C'est ça l'objet. Du coup, il faut être forcément très concis, puisque vous voyez qu'on a en général très peu de place pour s'exprimer. Donc, ça représente, voilà, je vous ai mis quelques critères un petit peu précis. Je ne m'attarde pas dessus là à l'oral, mais sur le fond, il faut chercher à ce que ce soit représentatif du contenu de votre mailing, avec, si possible, un angle personnalisé. On va dire que si vous vous adressez uniquement aux donateurs, par exemple, de votre base de données, tant qu'à faire en sorte que ce soit clair et qu'ils se sentent concernés. Et veillez également à être clairement identifiable en tant qu'expéditeur, c'est-à-dire que si votre association s'appelle XYZ, vous pouvez envoyer de la part de l'équipe XYZ, de la part de Yann de XYZ, etc. Mais en tous les cas, il faut que rapidement, le lecteur comprenne qui lui a envoyé ce message au premier coup d'œil. Quelques conseils aussi pour éviter de finir en spam. Alors, ce n'est pas une formule magique inévitable, mais ce qui est sûr, c'est que y a quand même quelques bonnes pratiques à mettre en place, notamment sur l'objet dont je vous parlais à l'instant. Éviter d'écrire tout en majuscules ou de mettre des caractères spéciaux, notamment euros, dollars, etc. Et les spam words sur lesquels je vais revenir au prochain slide. C'est des mots, en gros, qu'il faut éviter de mettre dans l'objet. En termes de contenu, ne mettez pas de pièces jointes. Après, en utilisant un outil normalement de mailing dédié, ça ne s'y prête pas, mais c'est aussi souvent ça passe plus facilement dans les spams. Pensez bien à inclure un lien de désinscription. On y reviendra aussi pour des raisons de RGPD, soit dit en passant. Avoir le consentement en amont, pareil, de vos destinataires, d'éviter la sursollicitation et bien évidemment de ne pas utiliser de liste achetée ou louée. Un aperçu des spam words, c'est donc des mots à éviter dans l'objet. Grosso modo, c'est tout ce qui est lié à la promotion et à la publicité. Au fait de presser les gens, d'inciter à agir rapidement, à la santé, à l'argent et à la sexualité. Il y a certains, mine de rien, il y a certaines choses qu'on pourrait être quand même tenté d'utiliser dans cette liste-là. Et autant que possible, je vous l'accorde que Prozac, il y avait assez peu de chances que vous soyez tenté de le mettre en objet. Mais mine de rien, parler de choses d'un événement gratuit ou parler de cliquer ici, etc. Et on peut parfois être tenté et apparemment, c'est quand même vraiment mieux d'éviter.
quelques éléments enfin en termes de conformité au RGPD. Avec donc RGPD, je pense qu'une grande majorité d'entre vous, ça vous parle au moins de loin, mais juste pour rappeler qu'il s'agit du règlement général de la protection des données, c'est une loi qui existe depuis 2018 et à laquelle on doit tous se plier à partir du moment en tant qu'entreprise, association, qu'importe, à partir du moment où on manipule des données personnelles. Et donc, quelques éléments auxquels prêter attention pour votre mailing, d'obtenir le consentement de vos contacts avec des cases notamment non précochées pour l'inscription, et mentionner aussi dès l'inscription que l'abonné pourra se désinscrire quand il le souhaite. Être en mesure de prouver leur consentement. Alors ça veut dire archiver les preuves du consentement pour vos emailings. Typiquement, c'est surtout une solution technique qui est normalement inclus dans les outils de mailing que vous avez, mais ça peut être tout dépend de votre manière de fonctionner. Et si vous récupérez parfois des formulaires papier à l'issue de formations, d'ateliers, de je ne sais quoi, et que les gens vous donnent de manière leur accord de manière écrite, ben voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'il faut conserver. Et ensuite, permettre au contact de se désabonner facilement en incluant un lien de désabonnement dans la newsletter même que vous envoyez, ce qui est pareil déjà inclus en vrai dans les solutions de mailing, et d'appliquer une politique transparente en indiquant pourquoi est-ce qu'ils reçoivent ces éléments de communication. En général, c'est une petite phrase, voilà, vous recevez ce message parce que vous êtes bénévole au sein de l'association Bidule, et ça suffit très bien comme ça. Je vais ensuite passer à la deuxième partie principale, on va dire, de ce webinaire, avec des exemples d'outils d'emailing. À vrai dire, même d'emailing et de planning éditorial. On va voir ça dans un instant. Et en ce qui concerne les outils d'emailing, en fait, je vais vous présenter deux choses complémentaires, c'est-à-dire dans un premier temps, ce tableau-là, il vous résume les outils d'emailing qui ont une offre gratuite pour tous. Donc, voilà, ce n'est pas spécialement le bon plan association. Pour le coup, c'est le bon plan tout court, entre guillemets. Et ces quatre solutions-là ont des solutions gratuites pour tous. Alors, que ce soit pour ce tableau-là ou les suivants, je précise aussi que ce n'a évidemment pas du tout vocation à être une liste exhaustive, qu'il est très, très probable que vous ayez entendu parler ou que vous connaissiez, voire même que vous utilisiez peut-être déjà un peu en version test d'autres outils. N'hésitez pas à partager typiquement dans le chat avec les autres participants s'il y a quelque chose dont vous êtes satisfait aussi et que vous voulez faire connaître. C'est un peu le but du jeu dans des webinaires comme ceci, c'est de vous faire gagner du temps, de défricher le terrain et donc de vous faire une présélection sur laquelle, voilà, moi je vous conseille d'aller après vous renseigner et voir ce qui vous convient. Mais bien sûr, il y a d'autres solutions qui existent et c'est tant mieux si vous avez déjà trouvé votre bonheur ailleurs. En tous les cas, là, ce tableau-là, il vous présente donc très simplement Mailchimp, Sendinblue, Mailjet et HubSpot, qui ont en général un nombre maximum de contacts très élevé. J'aime beaucoup personnellement le 1 million de contacts maximum pour HubSpot plutôt que contacts illimités, ça me fait bien sourire. Bon, vous savez, il m'en faut peu. Mais bref, donc du coup, 2000 contacts pour Mailchimp, c'est le seul qui a, on va dire, un réel maximum potentiellement atteignable. Et après, information très parlante et intéressante, c'est de voir le nombre de maximum de mailing que vous pouvez envoyer, alors soit par jour, soit par mois, voire les deux dans certains cas, selon les solutions. À noter aussi que tous ces outils-là sont disponibles en français, sauf Mailchimp. Mais qu'à l'inverse, c'est Mailchimp qui a le plus grand maximum de mailing. Donc, voilà, une fois de plus, tout dépend de vos préférences, vos contraintes en interne, etc. Après, je vous présente également des offres spéciales, pour le coup, vraiment dédiées aux associations, avec quelques éléments très simples. Alors, cette fois-ci, on retrouve partiellement les mêmes et puis partiellement pas. En l'occurrence, quatre offres
qu'on a retrouvée qu'on sait être disponible actuellement en ligne, à savoir GetResponse, CleverReach, Mailchimp et Mailjet. Et vous avez donc quelques informations en ce qui concerne les offres dédiées aux associations, en quoi elles consistent. Donc en général, c'est des pourcentages, un pourcentage de réduction sur certains ou tous les abonnements. Mais par exemple, dans le cas de CleverReach, c'est plutôt un package, on va dire, une offre avec un gratuite jusqu'à un certain nombre d'envois. Vous avez de manière résumée les modes d'accès aux différentes offres. Donc, dans les deux premiers cas, GetResponse et CleverReach, c'est des offres où vous passez d'abord par notre intermédiaire pour commander, une fois que vous êtes validé chez Soliatech, pour commander votre coupon de réduction, puis recevoir un mail qui vous indique comment concrètement bénéficier de l'offre. Et dans le cadre de Mailchimp et Mailjet, il s'agit de, grosso modo, d'ouvrir d'abord un compte avant de vous signaler auprès de leur service avec une preuve de votre statut associatif. Je vais passer assez rapidement sur les avantages, mais je dirais que l'avantage principal de GetResponse, c'est d'être une plateforme de marketing complète. Donc, en fait, ça va même au-delà de la solution de mailing à proprement parler. Pour vous donner une idée, avec un certain type d'offre, vous pouvez même aller jusqu'à héberger des webinaires dessus, faire des pages de destination. Vous pouvez faire tout plein de choses au-delà de l'outil mailing de base. Pour CleverReach, c'est un excellent rapport prix, nombre d'envois pour une solution en français. Mailchimp a l'avantage d'être l'un des leaders du marché, donc c'est vous retrouverez vraiment voilà, plein, ils ont plein de ressources, plein de conseils, et c'est une fiabilité qui a fait ses preuves. Et Mailjet est une solution française. J'ajoute, mais alors avec un point d'interrogation, et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, on va dire, noir sur blanc, que l'année dernière, on avait une de nos associations bénéficiaires qui nous avait remonté avoir pu bénéficier de moins 15% sur Sendinblue, j'y pense parce que du coup, c'est aussi une solution française. Donc, une autre solution de mailing s'appelle Sendinblue. Mais c'est une information qu'ils ne partagent pas en fait en toute transparence où que ce soit sur Internet. Donc, je ne sais pas si c'est encore valable. Je ne sais pas. Je préférais pas m'avancer dessus parce que rien n'est très clair et ou transparent de leur côté. Mais ce qui est sûr, c'est que ça donne l'idée globalement de se dire aussi que si vous vouliez à tout prix profiter d'une autre, utiliser une autre solution mailing, ça coûte rien d'essayer de contacter quand c'est comme ça les services commerciaux et de voir s'ils peuvent faire un geste commercial. Ça a l'air d'être le cas dans certains cas. Enfin, dernier tableau comparatif pour cette section-là du webinaire. Je termine donc cette partie outils de mailing vraiment pour envoyer vos newsletters. Et je passe sur un outil qui est en fait un outil complémentaire de celui-ci. C'est quoi utiliser pour mettre en place un planning éditorial. Alors, ça me fait réaliser que c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, faute de temps pour pouvoir tout mettre. Je ne vous ai pas fait une section dédiée au planning éditorial dans la première partie. Mais rapidement, qu'est-ce que j'entends par là concrètement et quel est l'avantage? Le planning éditorial, c'est vraiment le fait, on peut imaginer plus ou moins un calendrier, et c'est le fait de se dire, OK, tel jour de tel mois, je compte envoyer un email qui parle de ça à telle personne, tel jour de tel autre mois, je compte traiter de ce sujet, et ce sujet dans le même mail est adressé à toute ma base de données, etc. etc. C'est vraiment le fait d'anticiper. Et de prévoir à plus ou moins un long cours selon vos besoins, votre organisation, etc., mais de prévoir un petit peu quels sont les messages, les mailings que vous allez envoyer et à qui, quand. Et pour faire ça au propre et pour faire ça de manière collaborative, parce que souvent, c'est rare, on va dire, c'est une chose que vous soyez, par exemple, vous, responsable
de l'envoi des newsletters à votre réseau. Et je me doute que si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'était l'idée en tout cas de nous de ce webinaire, c'est que ce ne soit pas votre travail à temps plein et que vous n'ayez pas fait, vous n'ayez pas un bac plus 5 en communication digitale. Sinon, je n'ai pas de doute que j'ai rien à vous apprendre. Mais qu'importe ce que vous fassiez, plein d'autres choses, le fait est que si vous êtes responsable de l'envoi de ces newsletters-là, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est à vous, personnellement, d'avoir toutes les idées de sujet, de faire toute la veille, etc., et de tout savoir sur tout au sein de votre association et tous les événements qui ont lieu, etc., et de tout rédiger vous-même. Et en fait, l'avantage de passer par un outil collaboratif comme ceux que je vous présente ici, c'est justement de faciliter cette collaboration et d'être à même de faire, par exemple, voilà, que vous proposiez qu'on envoie un mailing par mois, du coup, ça sera à telle date et telle date, que la thématique, ce soit plutôt dans la mesure du possible ça, puis ça, puis ça, et puis après, un ou vos collègues proposent des sujets en fonction des actualités, vous sollicitent pour relayer tel événement qu'ils organisent, etc., etc. Donc, voilà, c'est l'intérêt, c'est de pouvoir travailler ensemble sur le contenu et les temps forts auxquels vous allez communiquer. Quatre exemples d'outils, du coup, avec Google Sheet, Airtable, Trello et Asana. Alors, tous ces bons mots pour dire qu'en gros, le premier Google Sheet, je suis à peu près sûre que vous en avez déjà entendu parler. C'est son avantage principal, à vrai dire, c'est que c'est le plus connu et donc c'est familier et rassurant pour vos collaborateurs, pour vous, de passer par cet outil-là. À l'inverse, avec Google Sheet, vous voyez tout ça, hein, c'est vraiment le tableur classique comme Excel, mais version en ligne. On part d'une feuille blanche au départ, il y a tout à construire soi-même pour faire un planning propre. Et donc, c'est pas, il faut fournir un petit effort supplémentaire pour faire ça proprement. C'est dans tous les cas, bonne nouvelle pour tous ces, c'est pas par hasard, mais pour tous ces produits-là, il y a toujours une offre gratuite et qui est toujours pertinente. Typiquement, Google Sheet, dans tous les cas, ce sera gratuit pour vous, mais n'hésitez pas pour plus de sécurité, notamment, enfin, plein d'autres avantages que je n'ai pas le temps de détailler là, mais en gros, à passer, vous savez, il y a une offre Google Workspace. Donc l'équivalent de pro en gros, qui est complètement gratuite pour les associations et quitte à utiliser les outils Google, c'est vraiment chaudement recommandé que vous passiez par cette offre-là. Après, nous avons Airtable qu'on aime beaucoup chez Solidatech, comme Trello d'ailleurs. Qui fonctionne, on va dire, sur un système de tableur intelligent avec un bon modèle à disposition, notamment. Par contre, c'est un outil qui est uniquement disponible en anglais à date. C'est normalement, ça devrait évoluer dans le bon sens dans les mois qui viennent, mais en tous les cas, à date, il est seulement en anglais. Mais l'offre gratuite suffit normalement largement à vos usages. Trello a quant à lui une prise en main très facile et une présentation simple, claire, visuelle. Par contre, c'est un petit peu moins pour l'offre gratuite, un petit peu moins de possibilités de présenter les vues. Et notamment, il n'y a pas de vue tableur, donc les fameuses lignes quand ça ressemble à un tableur Excel, par exemple. Et Asana est une solution carrément de travail collaboratif beaucoup plus complète. Ça, c'est à l'échelle d'un peu à l'image de GetResponse dont je vous parlais tout à l'heure en outil d'emailing qui va même au-delà. Là, c'est pareil, Asana, ça peut permettre de faire tout plein d'autres projets au-delà du planning éditorial ensemble. Après, comme tout outil un petit peu complet, ça demande un petit temps d'adaptation. Forcément, là, en vous en parlant en 5 minutes, vous ne pouvez pas repartir de là en étant hyper au clair sur lequel de ces 4 outils pourrait vous convenir, etc. C'est normal. L'idée, une fois de plus, c'est que vous ayez une photo des grandes, grandes lignes et qu'après, selon ce qui vous intéresse, vous alliez jeter un œil de votre côté après sur Internet et voir quel outil vous semble, pour différentes des raisons qui vous sont propres, vous semble pertinent. J'ai bientôt fini. Je vous parle désormais rapidement des indicateurs clés
Donc, en fait, des chiffres qui sont à suivre une fois que vous avez envoyé, ça y est, vos premières newsletters. Super, vous avez bien avancé sur le projet, c'est top. Maintenant, il faut pas partir du principe qu'une newsletter envoyée, problème réglé, on ne regarde plus jamais ce qui se passe derrière. Forcément, c'est toujours une bonne pratique, comme pour plein d'autres choses, vous le savez, c'est bien d'aller vérifier un petit peu pour faire évoluer ces pratiques dans le bon sens et viser juste. Et en gros, il y a trois indicateurs clés que très classiques, hein, mais que je vous recommande de suivre, qui sont le taux d'ouverture. Donc, tous les gens reçoivent votre email dans leur boîte aux lettres. Combien l'ont ouvert, ont cliqué dessus pour l'ouvrir et le lire, pour avoir accès au contenu. Le taux de clic. Maintenant qu'ils avaient ouvert ce mail, je vous le disais, hein, faut toujours qu'il y ait le fameux call to action, quelque chose, une raison ou une autre de cliquer dans votre mail. Bah, combien l'ont réellement fait? Et le taux de désabonnement. Donc, vous savez, on doit mettre un petit lien qui se fait grosso modo automatiquement avec les outils de mailing pour se désabonner. Bah, combien à la réception de cet email-là ont décidé de ne plus recevoir vos newsletters? Ces trois indicateurs-là, vous les retrouverez toujours dans vos outils. C'est vraiment des grands classiques, donc ils sont dans tous les outils que je vous ai présentés. Je vous ai mis à titre indicatif des moyennes en France, tout secteur confondu et versus du secteur à but non lucratif, mais pour le coup à l'international. C'est des chiffres de 2020. C'est vraiment à titre indicatif, mais ça permet de se rendre compte que c'est normal de ne pas faire un taux d'ouverture de 80%, tout va très bien, et qu'à l'inverse, si votre taux d'ouverture est de 3%, c'est qu'il y a un problème, etc. Enfin voilà, c'est vraiment pour des très très grandes tendances, mais c'est tout à fait possible que votre norme à vous, ce soit 45% de taux d'ouverture, tout comme dans certains cas, 18%, c'est déjà très bien. Ça dépend aussi pas mal, on ne va pas se mentir, de la taille de votre base de données, sa qualification initiale. Bref, ça dépend de plein de choses, mais voilà, ça vous donne quand même des grandes indications quand on découvre un petit peu le principe de l'envoi de ces newsletters. Et du coup, ces quelques chiffres-là, c'est bien de les suivre idéalement dans un tableau de bord, on va dire. Vous suivez peut-être probablement déjà des indicateurs clés sur d'autres sujets que vous avez, peut-être sur le trafic qu'il y a sur votre site internet, ou peut-être sur le nombre de personnes qui s'inscrivent à vos formations, même en présentiel. Enfin, voilà, vous avez probablement quelques éléments comme ça que vous suivez. Et bah, c'est dans la même idée, c'est bien de suivre ces trois éléments-là dans le cadre d'un tableau de bord. Et je vous ai mis à titre d'exemple, vous prendrez le temps de regarder mieux si vous voulez, mais ce que nous, on avait en place chez Solidatech. Une fois de plus, c'est très simple. Et l'intérêt, bien sûr, c'est de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins. Et là, par exemple, dans notre cas de figure, avec les différents types de mailing, si sur le mailing matériel, on a trois fois moins de taux de clic que sur tous les autres mailings, on va peut-être se dire qu'il faut qu'on change quelque chose, voire qu'on arrête de faire ce type de mailing, parce que visiblement, ça intéresse moins les gens à qui on les envoie. Concrètement, là, on résume tout ce qu'on vient de se dire en un slide. Comment est-ce que, à l'issue de ce webinaire, vous pouvez vous lancer dans le projet d'envoyer votre première newsletter associative? 7 points. Le premier, c'est avant de foncer tête baissée, de réfléchir au projet. Est-ce que vous avez vraiment besoin de lancer une newsletter? Qu'est-ce que vous voulez raconter? À qui? Pourquoi faire? Est-ce que c'est le bon canal de communication pour vous? Si la réponse est non, eh ben c'est bien, voilà, hop, c'est terminé. Et si la réponse est oui, on passe au deuxième point qui est de désigner un responsable de cette mission. Une fois de plus, pas forcément du tout à temps plein, hein, on est bien d'accord, mais n'empêche que quelqu'un voilà, qui se charge de cette mission. Vous mettez ensuite au propre votre base de données avec vos contacts. Donc, vous choisissez ensuite votre outil de mailing en fonction et de vos besoins et de votre budget. Une fois de plus, le tableau comparatif d'avant, c'était un bon départ, mais bien évidemment qu'il existe d'autres choses. Et si ça ne vous va pas, ce qu'on vous propose, mais n'hésitez surtout pas à aller chercher ailleurs, ça va de soi. Créez ensuite sur cet outil de mailing une trame, un modèle dont vous allez pouvoir repartir systématiquement. Et utilisez également, mettez en place un petit planning éditorial, même très simple, voilà, pour dire tel mois, tel jour, j'envoie telle chose à telle personne.
Et puis après, on se lance dans le dur du sujet, on rédige, on relit, très important, et on envoie. Pour commencer, je conseille de ne pas être trop ambitieux et d'être relativement léger en termes de fréquence d'envoi pour déjà commencer. Et n'oubliez pas que le travail n'est pas complètement fini après l'envoi de ces newsletters, puisqu'il s'agit ensuite de suivre les principaux indicateurs clés et d'adapter vos pratiques en conséquence. Voilà. Ensuite, juste avant de passer aux questions-réponses, je vous informe que si vous souhaitiez aller plus loin et de manière aussi beaucoup plus personnalisée qu'aujourd'hui, je suis déjà super contente qu'on soit ensemble, mais on vous l'a dit, on est nombreux et forcément, c'est pas la même chose. On a une formation qui s'appelle « Découvrir les fondamentaux en communication digitale » sur l'échelle d'une demi-journée. Et je pense que Élodie va vous partager aussi en parallèle dans le chat le lien. Mais sinon, vous le retrouvez dans le catalogue de formation. Vous aurez le support à disposition. Et ça peut être une bonne manière de poursuivre l'échange et les réflexions sur votre communication digitale de manière un petit peu plus large et globale, au-delà de seulement l'angle newsletter. Élodie, tu es en mute. Voilà, vous m'entendez maintenant. Ah, ça marche beaucoup mieux, je te confirme. Très bien. Merci Lorraine, en tout cas, pour cette présentation. On a pas mal de questions. Donc, on ne va pas perdre de temps. On va commencer directement. Alors, je vais reprendre un petit peu la liste des questions. On va peut-être commencer par quelque chose d'assez général et entrer dans les questions un peu plus techniques liées aux solutions. Mm-hmm. Tout d'abord, j'avais plusieurs questions pour savoir à peu près à quel rythme est conseillé pour l'envoi du newsletter. Quel serait un peu le rythme idéal, s'il y en a un, bien sûr. Et également, est-ce qu'il est possible d'avoir une newsletter pour plusieurs cibles à la fois, par exemple adhérents, bénéficiaires et partenaires, est-ce qu'il faut vraiment séparer, quels sont un peu tes conseils là-dessus? Ça marche. Alors, ayant parfois une mémoire de Dory, je te laisserai me répéter la deuxième question si besoin. En tout cas, pour la première sur le rythme, alors, vous allez me dire, ça va vous faire une belle jambe, mais c'est très vrai. Ça va vraiment dépendre de votre association, de votre activité, de la raison pour laquelle vous avez choisi de communiquer par le biais des newsletters. Ce qui est sûr, c'est que, comme je le disais vers la fin, là, un peu en conclusion, si vous démarrez bel et bien sur le sujet, mieux vaut ne pas être trop ambitieux au départ. C'est-à-dire que je déconseille de passer de aucune newsletter à subitement une par semaine. Déjà parce que si vous n'avez personne pour plus ou moins à mi-temps ou tiers-temps à consacrer sur le sujet, ça va être très compliqué de faire ça bien. Et parce que aussi votre base de données risque d'être un peu sursollicitée soudainement. On va dire le grand classique, je pense, qui peut fonctionner pour une bonne partie des associations, mais une fois de plus, pas toutes, c'est une fois par mois. Et une fois par trimestre peut largement suffire dans certains cas, une fois de plus, le but que vous avez, si c'est purement informatif sur la vie de l'association, ses projets, mais que vous n'attendez pas assez peu des gens que vous sollicitez, je pense qu'une fois par trimestre, ça peut être très bien. Et tout comme une fois toutes les deux semaines, si vous faites tout plein d'événements et que vous les relayez à la bonne cible. Voilà. Et la deuxième question, Élodie, si tu vois, ça n'a pas loupé. La deuxième partie, c'était de savoir est-ce qu'on pouvait avoir une même newsletter pour plusieurs cibles. Oui. La personne citait notamment ses adhérents, bénéficiaires et partenaires. Alors oui, on peut, et c'est peut-être d'autant plus raisonnable, pareil, pour commencer, dans l'idée de ne pas trop rapidement être surchargé. Après, tout dépend pour vos différentes cibles, à quel point les objectifs, vous savez, si je reprends au tout début,
on avait vraiment les objectifs d'une part, les cibles et les uns peuvent aller avec les autres. Finalement, vous pouvez très bien vous adresser à vos adhérents, vos bénévoles et vos donateurs en même temps et que ça fasse complètement sens puisque finalement, le but, c'était de les convier à un événement où dans tous les cas, ils sont tous les bienvenus. Donc là, ça ne pose aucun problème. Contactez vos salariés et vos clients et partenaires en même temps que vos donateurs en leur demandant en les sollicitant pour une campagne de dons, ça n'a aucun sens. Donc en fait, c'est plus, ça peut être oui parfois et non dans d'autres cas. Faites surtout attention au-delà de la cible à qui vous adressez, mais finalement, est-ce que l'objectif est relativement similaire? Si c'est de l'informatif très global sur l'actu de votre asso une fois tous les trimestres, je pense que c'est tout à fait faisable parce que ça peut intéresser aussi bien des partenaires que des financeurs que vos bénévoles. Tout dépend comment vous tournez les choses. Donc, voilà. Souvent oui, mais attention, petit point d'attention sur l'objectif qui est derrière. Pour rebondir, il y a deux petites questions qui sont ajoutées. Il y a Laura qui se demandait un peu combien d'articles pour une newsletter mensuelle, un ordre d'idée en fait de nombre d'encarts en fait tu conseillerais. On n'a Et pas. Aussi, et aussi un peu lié, quelle serait la fréquence pour commencer sa newsletter plutôt trimestrielle Bah, du coup, ça, je pense qu'on l'a dit. Je c'est pense que c'était ouais. vraiment le point d'avant. Et sur le nombre d'encarts, on n'a pas du tout la science infuse sur le sujet. Je peux vous donner à titre indicatif le fait que nous, en général, soit on envoie un mailing qui traite d'un seul sujet parce qu'il est, il est important, parce qu'on souhaite particulièrement le mettre en avant. Et voilà, si vous organisez bien évidemment votre assemblée générale et que vous voulez inviter de manière très large à les gens à y assister, bah, vous pouvez consacrer tout votre message uniquement à ce point-là. Pour des messages, pour des mailings où vous groupez différents sujets, à titre indicatif, nous, souvent, on a quatre sujets. Et vous en trouverez plus ou moins selon les différentes activités. Mais c'est, je pense, une moyenne relativement représentative de ce qui se fait souvent. Après, vous pouvez trouver des newsletters à rallonge, mais qui n'ont peut-être pas forcément le même but. Bah merci en tout cas pour cette réponse. On va peut-être parler maintenant un petit peu plus, revenir sur la partie de la gestion de la base de données. J'avais une question pour savoir à peu près à partir de combien de contacts tu estimes qu'il faut quitter le tableur et passer vraiment sur une solution un peu plus dédiée. Et aussi, j'ai eu pas mal de questions sur le fait de. Tu as présenté un peu des outils de base de données et aussi des outils pour gérer le planning éditorial et de voir si tout ça se connecte. Est-ce qu'il y a un peu des liens d'automatisation pour un peu gérer et la base de données et l'envoi du mail? Mais je te laisse d'abord répondre à la première partie. Ouais, alors du coup, là, je t'avoue que tu peux redire la Je première te question. perds, Parce je que... te perds, je sens. Ouais. Donc la première question, c'est vraiment à partir de combien de contacts Ah oui. tu conseilles C'est à de titre. quitter le tableur Excel? C'est à. Pareil, c'est discutable, mais je sais que par exemple, on a notre partenaire Home, je crois, dans notre centre de ressources, recommande de donner le chiffre de 300 de mémoire. Ça peut être une bonne indication. Effectivement. Et donc la deuxième partie de la question, c'était donc au niveau de la base de données, mais surtout en fait au niveau de... En fait, ce n'était pas vraiment la base de données, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. C'est plus au niveau des outils que tu listais comme Trello, Airtable, etc. pour un peu gérer le planning éditorial. Est-ce que tu sais si ces outils permettent d'automatiser pardon, l'envoi de newsletters? Je pense que ce n'est pas vraiment le cas encore. Non, globalement, non. Après, avec d'autres outils d'automatisation, on peut, dans une certaine mesure, automatiser certaines choses, mais pour faire rapide, là, c'est pas, non, c'est pas des outils qui sont faits pour ça. Ils sont plus dédiés au travail en équipe, entre guillemets, mais pas forcément rattachés à une solution de newsletter.
Tu parlais tout à l'heure de Home. J'avais une question sur Salesforce, qui est aussi une autre solution à notre catalogue. J'avais Stéphane qui se demandait si ça pouvait convenir à l'objectif d'envoi d'une newsletter de passer par Salesforce pour gérer sa base de données. Alors, ici, quand je vous parlais de base de données au propre, etc., c'était vraiment en lien direct avec notre sujet du jour sur le newsletter. Et c'était en fait dans l'idée de pouvoir importer cette base de données dans l'outil de mailing que vous auriez choisi. Mais en fait, Salesforce, c'est plus qu'un gestionnaire de base de données, c'est vraiment ce qu'on appelle un CRM. C'est un outil qui est dédié, comme c'est le cas en effet de Home aussi. C'est un outil qui est dédié à centraliser toutes les données sur les contacts et à faire les liens, pour le coup, à se connecter vraiment avec, avec d'autres outils. Donc, on va dire que Salesforce, enfin les solutions de CRM, si vous trouverez plein d'infos aussi sur le sujet, on en a aussi dans notre centre de ressources, c'est le niveau au-dessus. En fait, ça répond pas seulement aux besoins de centraliser les infos sur vos contacts pour pouvoir leur envoyer des mailings, mais ça peut potentiellement être en lien, enfin que vous référenciez bah, combien chacun a donné sur l'année dernière, et puis quel bénévole a participé à quel événement, et puis qui s'est inscrit, qui a fait quel achat sur votre site, etc., etc. Et en fait, que ça soit lié à votre site internet, que ce soit lié à vos formulaires d'inscription, à vos comptes, etc., etc. Et donc, je dirais que là, pour notre sujet du jour, Salesforce, c'est trop. Enfin, c'est trop, c'est bien plus puissant. Et à vrai dire, même en tant que CRM, faut savoir que c'est un outil qui fait des miracles, mais qui est très costaud et qui demande de l'investissement en temps, en argent, etc. Donc, c'est souvent un outil surdimensionné pour les petites associations, comme je présume, si parmi vous, du coup, vous êtes aujourd'hui et que c'est que vous n'avez personne dédié à la communication interne, comme il y a des chances que la majorité d'entre vous soit, je ne conseillerais pas cette force pour ça. Très bien. Ben, merci pour ta réponse. On va passer à la prochaine question. C'était tout simplement, est-ce que on peut utiliser l'outil Outlook pour l'envoi de mailing? Non. Pour, enfin, pareil, ça oblige à être un peu concis là, mais parce que le temps file, mais non, c'est honnêtement, c'est vraiment pas fait pour ça, et c'est typiquement genre de choses qui rend la gestion compliquée, qui fait qu'on passe d'autant plus en spam, parce qu'envoyer avec Outlook à beaucoup de contacts en même temps, ça fait qu'on passe plus en spam, etc., etc. Ça fait qu'on est tenté pour faire quelque chose de joli, de parfois mettre une pièce jointe, il ne faut pas mettre de pièce jointe, etc., etc. Donc, non, après, non, mais, c'est-à-dire non, mais si votre souci de newsletter, c'est d'envoyer à... uniquement de donner des nouvelles en interne à vos salariés et qu'en fait vous êtes que 20, là ok, parce que ça ne sera pas compliqué en termes de gestion, et pourquoi pas, mais on n'est pas, c'est pas trop l'idée du sujet du jour. Là, on est plus sur des envois un petit peu plus grands et avec des bases de données qui sont amenées à évoluer un petit peu plus, etc., parce que nouveaux adhérents, nouveaux donateurs et tout, là je vous le déconseille vraiment. Oui, très bien. Et d'ailleurs, je rebondis un peu sur une question qui était posée aussi un peu en lien sur l'histoire de pièces jointes et de spam. Effectivement, quand on utilise des outils d'emailing comme MailChimp ou Sendinblue, on utilise un template, et dans ce template, on va pouvoir lier un hyperlien qui renvoie vers un PDF, par exemple. Et donc, ça évite d'avoir vraiment une pièce jointe comme on aurait si on envoie un mail via Outlook. Ce qui fait que ça permet de, bien évidemment, de joindre des documents, de renvoyer vers des liens vers son site ou autre, mais de manière un peu plus propre, carrée, et ce qui fait qu'on ne va pas passer dans des spams à cause de ça.
Alors, une autre, est-ce qu'on a encore le temps de prendre quelques petites questions? Oui. Alors, il y a Alain qui posait une question plus. Je sais, je ne me souviens pas si tu as parlé un peu de tout ce qui est template, mais Alain a plus une question au niveau le design du mailing. Par exemple, si tu édites une lettre d'info sur Canva, qui est un outil donc de création Oui, en oui. ligne, est-ce que tu vas pouvoir ensuite l'envoyer avec Sendinblue ou MailChimp, enfin, peu importe. Si je réponds oui et non, je suis pénible. Je vais prendre le temps de répondre. Juste, je vois l'heure qui tourne. Je vous informe juste on n'a aucun souci avec Elodie pour déborder un tout petit peu et prendre quelques questions supplémentaires. Mais je me doute bien que certains d'entre vous ont d'autres choses prévues ou simplement ont eu toutes les infos qu'ils souhaitaient. Auquel cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui et je vous dis à une prochaine fois, j'espère, sur un autre webinaire. Cela étant dit, pour Canva, alors, oui, parce que techniquement en soi, vous pouvez faire un très joli visuel sur Canva et l'inclure dans votre newsletter comme une image globale. Et en ce sens, vous pouvez envoyer ce que vous souhaitez en format mailing. Dans les faits, il y a peu de chances que ce soit et pratique et efficace. Puisque du coup, ça serait une seule et même image, donc il n'y aurait plus ces notions de cliquer ici ou cliquer là selon de quoi on parle. Et c'est aussi certains, il y a vraiment une portion des gens qui reçoivent les newsletters qui ne téléchargent pas les images. Donc ça voudrait dire qu'eux, en plus, ils verraient carrément rien. Donc c'est pas souhaitable et puis en plus ça vous fait utiliser deux outils au lieu d'un, etc. Nous, pour vous donner une idée, on utilise parfois Canva pour illustrer nos mailings à des endroits très précis pour mettre un petit visuel par-ci, un petit visuel par-là, mais on se sert quand même beaucoup plus proportionnellement des modèles qui sont disponibles vraiment dans l'outil de mailing et qui vous permettent d'éditer le texte, etc., à même l'outil. Je pense honnêtement que c'est quand même une meilleure pratique de faire comme ça. Donc Canva, pourquoi pas, mais pour faire un joli bandeau, pour faire une petite illustration par-ci par-là, pas pour faire la totalité de votre newsletter. Là, si on parle d'un outil de mailing, c'est pas entre guillemets pour remplacer la pièce jointe que vous auriez eu envie d'envoyer jusqu'alors en faisant un copier-coller. Il faut un petit peu adapter le modèle pour que ce soit plus efficace et aussi plus simple à l'usage à chaque fois. Effectivement. On va passer à une autre question rapidement. Plusieurs personnes se posaient la question du RGPD et qui se demandaient voilà, un peu qui a accès à ces données qui sont répertoriées donc, dans l'outil qu'on utilise. Et est-ce que c'est en accord avec le RGPD? Est-ce que les prestataires peuvent avoir accès à ces données, en gros, qui voilà, qui a la main dessus. Et ensuite, est-ce qu'il faut Attends, aussi déjà, je pense qu'on une Oui, fois de plus, une pardon. chose à la fois. Du coup, oui, la question, la réponse, elle est très claire. Tous les solutions de mailing que je vous ai présentées là sont en règle avec le RGPD. Si vous souhaitez, au cas par cas, creuser le sujet sur telle ou telle solution, j'ai testé, donc je vous le dis en bonne, voilà, sûre de moi, vous pouvez taper le nom de la solution et RGPD, vous trouverez des informations plus précises au cas par cas et le partage voilà, sur le sujet. Donc, toutes sont compatibles. Comme souvent avec le RGPD, ce n'est pas tant finalement une question de… Enfin, une fois que la solution elle est en règle également, c'est très bien. Après, c'est surtout une question de vous, l'usage que vous allez faire de cette solution-là. Qui doit être RGPD, c'est-à-dire de ne pas partager des codes d'accès qui à tout va, de enfin voilà, mais en tous les cas, les solutions, elles sont toutes OK de ce point de vue-là. Très bien, merci. Et du coup, l'autre partie.
L'autre partie, c'était plus de justement, est-ce qu'il faut du coup séparer une base de données plutôt démarchage commercial de la base de données plutôt mailing informatif, on va dire. Ce qui, je pense, n'est pas nécessaire du point de vue du RGPD. Ah, du point de vue du RGPD, oui, du point de vue du RGPD, non. Alors, excuse-moi, parce qu'en plus, j'étais en train de lire de vouloir répondre dans le chat pour les... Je vais répondre en direct, Laurence, pour les aller plus loin en bas des slides que vous avez vus, comme 10 bonnes pratiques pour gérer sa base de données, 10 conseils pour améliorer la newsletter, etc. Ce ne sont pas forcément des formations, mais des articles qui sont dans notre centre de ressources. Donc, quand vous aurez la présentation d'ici un ou deux jours, on vous avertira par mail quand le replay sera uploadé sur notre site. Vous aurez aussi la présentation et vous pourrez cliquer dessus et ça vous renverra vers des articles du centre de ressources. Et la formation qu'on propose d'animer, je vous ai mis le lien un petit peu plus haut. Et là, c'est vraiment une formation complète à part, comme le disait Lorraine tout à l'heure. Tu t'es encore prête pour prendre une petite question, Lorraine ? Il y a encore du allez, monde. Allez, je vois qu'on n'est pas les seuls motivés, alors allons-y. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait ? Est-ce que tu as... Pardon, excuse-moi. Oui, j'ai eu pas mal de questions sur... Enfin, quelques petites questions sur Access pour savoir si notamment on avait la solution au catalogue à tarif solidaire. Oui. Et c'est effectivement le cas. Donc ça, c'est... Voilà, je vous réponds en direct, comme ça, c'est un peu plus rapide. Et qu'est-ce que j'avais d'autre Oui, voilà. Est-ce qu'il y a Philippe qui demandait si on pouvait savoir qui avait lu le mailing. Oui. Oui, oui, dans les outils. Alors, ça demande pour le coup à vraiment être, si vous voulez, autre chose que des statistiques très globales, à savoir sur qui, enfin, quel est le profil qui vous intéresse, parce que du coup, ça demande d'aller au cas par cas sur le contact, mais c'est tout à fait possible. C'est même possible de savoir si la personne a ouvert, si la personne a cliqué, si la personne a ouvert plusieurs fois. Enfin, vraiment, c'est possible. Très bien. J'avais une autre petite question d'ordre, on va dire, un peu plus de soucis écologiques et également socialement responsables. Est-ce que on a des infos sur les hébergeurs de ces différentes solutions de mailing sur un peu leur impact en termes voilà, environnemental? Alors franchement, c'est une très bonne question, mais alors pour le coup, autant vous dire que je ne suis pas calée à ce point-là sur chaque cas particulier. C'est un peu dans la même idée que si sur le sujet RGPD vous intéresse pour une plus précisément, il faut aller se renseigner. Là, ça va être pareil. Je serais pas à même de vous dire pour chaque solution. Ce qui est sûr, c'est que c'est tout à fait faisable. Nous, on a bien un partenaire, par exemple, AlternaWeb, côté hébergement de sites web, qui compense par ailleurs les émissions qui sont faites par les sites qui l'hébergent, etc. Donc, c'est une très bonne question et ça doit être le cas parfois, mais je ne saurais pas vous dire au cas par cas. Effectivement. Je vous mets d'ailleurs effectivement le lien vers AlternaWeb, pardon, que tu viens de citer, pour ceux que ça intéresserait. Et alors, peut-être une dernière question à laquelle, si tu veux, je peux répondre. On nous demandait la différence en fait entre un soft bounce et un hard bounce. C'est en fait quand on utilise une solution d'envoi de mailing et qu'on a le rapport un peu voir qui justement a ouvert ou pas notre newsletter, est-ce qu'elle a bien été reçue, distribuée. Il y a un certain nombre de contacts qui peuvent être classés en soft bounce ou hard bounce, qui sont un peu des noms barbares, je vous l'accorde. Et donc, en fait, généralement, ça veut dire que le mailing n'a pas atteint sa cible. Pour les soft bounce, souvent, la cause, c'est que le serveur du destinataire est soit indisponible ou alors sa boîte mail est pleine. En tout cas, il y a un problème technique de son côté. Et avec le hard bounce, généralement, c'est qu'il y a un problème de syntaxe, enfin, il y a une faute d'orthographe dans l'email qui a dû être mal tapé. Et donc, du coup, le serveur d'envoi ne le trouve pas non plus. Voilà, c'était un peu technique sur ce jargon, mais
mais ça peut vous éclaircir un petit peu sur ça. On prend peut-être une dernière question. Allez, la vraie dernière alors. La vraie dernière. Ouais. Alors au choix, parce qu'il en reste quand même plusieurs. Mais là, on va peut-être en prendre qu'une seule. Je pense peut-être revenir un petit peu qu'est-ce qu'il ne faut pas négliger pour l'aperçu du mailing. Je pense que la personne fait référence à l'objet. Voilà, au preview, au titre. Je pense vraiment pour l'aperçu du mailing lorsque la personne le reçoit dans sa boîte mail. Que si on parle bien du coup de l'objet de la newsletter, donc le titre, mais voilà, ce qui apparaît vraiment avant même de cliquer sur le mailing, je dirais que le titre soit bien représentatif du contenu du mailing, et en ayant en tête que, étant donné que déjà on a une place limitée, mais qu'en plus selon les réglages de chacun sur sa boîte mail, on voit plus ou moins de choses. Même en respectant la règle des 9 mots, des 60 caractères, etc., mettez autant que possible les mots les plus essentiels au début, vraiment les premiers mots. Si vous organisez un webinaire et que c'est vraiment votre mailing, il a pour but de faire la promotion de ça, évitez de dire « Vous êtes tous les bienvenus à notre événement de point, le webinaire sur… » Non, déjà, au-delà du fait que c'est trop long, le mot webinaire vient trop tard. « Webinaire de point… » Et là, vous dites de quoi il s'agit. C'est surtout ces deux points-là. Et après, pour ceux qui seraient éventuellement un petit peu plus avancés et qui envisageraient de faire du ciblage, donc de l'envoyer qu'à un certain type de mailing, qu'à certaines catégories de votre base de données, si c'est possible, faites en sorte que ce soit perceptible dès l'objet. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous embêtez à créer du contenu seulement pour une partie de votre cible. Et dans la mesure, essayez qu'ils en aient conscience, entre guillemets, et comme ça, ils se sentiront d'autant plus concernés et auront envie de cliquer plutôt que d'avoir un titre très, très généraliste. Voilà, ce serait les principaux conseils. Très bien. Eh bien, je pense que ça va être le moment de se quitter avec vous. En tout cas, j'espère qu'on a pu répondre à l'essentiel de vos questions, et puis vous allez retrouver le replay, la présentation, et pouvoir creuser aussi de votre côté le sujet plus posément à plat. Voilà, et donc je vous souhaite une belle fin de journée à tous, et à très vite pour un prochain webinaire. Ouais, merci beaucoup à tous, et notamment c'est pas encore n'hésitez pas à consulter régulièrement notre section agenda sur notre site web. C'est pas encore en ligne, mais sait-on jamais, si vous vouliez en savoir plus sur Solidatech, et qu'on puisse aussi être là pour répondre à vos questions, etc., vraiment sur le programme, vous pouvez déjà vous noter dans un petit coin de l'agenda la date du 7 juin à 14h30. Pour une demi-heure. Et puis, merci beaucoup à tout le monde, et à bientôt, on espère. Salut.